Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on continue sur notre cycle pour fêter les 40 ans de AC/DC avec donc une chanson sortie sur l'album Let There Be Rock. Donc je vais essayer de la prononcer, vous ne moquez pas de moi, Wolota Rossi, ça doit être à peu près ça on va dire. Hein, donc sortie comme je vous disais sur l'album Let There Be Rock. Donc alors comment est-ce qu'on va commencer ça? Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Pas de blabla inutile. Donc ça. Un petit blabla inutile éventuellement, ouais, comme pour changer un petit peu, je commence pas avec la partie de August, on va commencer avec la partie de Malcolm, donc avec la guilde, sachant que la partie d'August c'est pratiquement la même chose. Si vous voulez voir un petit peu les petites différences entre l'une et l'autre, je vous invite à télécharger la tablature sur mon site, n'hésitez pas. Bien, allez, c'est parti. Donc on commence avec ça, avec cette fidèle intro que on a tous un petit peu à l'oreille. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Donc ouais, on va venir. Donc ce sont des power chords qui sont enchaînés, do, ré, do, et revenir au la. Et en alternant avec l'accord de la vie, donc il faut enchaîner ça assez vite. Donc je vais vous faire baisser un petit peu le volume, je vais vous le faire un petit peu plus doucement. Ouais, je commence avec l'accord de la vie. Ensuite on va enchaîner ça avec le do 5, donc power chord classique, hein. Je rappelle un petit peu la position rapidement. Donc index sur l'accord, donc pour le faire en do, allez, on remonte le volume après tout, pourquoi pas. Donc, pour faire le Do 5, l'accord de La à la case 3 avec l'index, troisième doigt sur l'accord de Ré à la case 5 et le petit doigt sur la case 5 également de l'accord de Sol pour avoir ce son-là. Donc là, alors pourquoi est-ce que c'est un Do 5? Parce que la fondamentale, la note la plus grave, c'est un Do. Si je le fais à la case 1, on aura un Si bémol. Si je le fais en La, ben on aura un La, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa 5, etc. etc. Donc, power chord. Ou accord de puissance, vous choisissez le nom que vous voulez. C'est parti donc alors. On commence avec l'accord de La à vide. Le Do 5. À nouveau l'accord de La à vide, ce qui nous permet de nous déplacer sans qu'on ait un silence. Le Ré 5. On vient au Do. Et là, on marche directement sur le La. Alors c'est vrai que c'est assez sportif de passer tout de suite. Là, on n'a pas l'accord de La à vide. Il faut enchaîner directement. Voilà, j'en fais une fois. Donc ça, c'est le riff lorsqu'on a l'intro, lorsqu'on a le premier couplet qui démarre avant que la batterie rentre. Voilà, donc ensuite, alors évidemment, pensez à bien bloquer les cordes à chaque fois que vous arrêtez le riff. Pour que vous n'ayez pas un son parasite, des cordes comme ça, et vous relevez vraiment au moment où vous réattaquez derrière. D'ailleurs, faites pas quelque chose comme ça et relâchez pas avant de changer de position. Si je faisais ça, voilà, vous aurez des résonances de cordes à vide, c'est pas terrible. Il faut vraiment relâcher la pression au niveau de la paume ici qui assure le silence. Seulement au moment où on va réattaquer derrière. Là, je bloque et je relâche vraiment que pour réattaquer. Voilà, faites vraiment ça à chaque fois que vous avez des silences à gérer pour que vous n'ayez aucun son parasite qui vous gêne. Voilà, donc ça c'est toute la partie lorsque le premier couplet commence. Et lorsque la batterie démarre, le riff il s'allège un petit peu puisqu'on va jouer que sur une seule corde. Donc le dernier enchaînement c'est comme toute la suite qu'on a vue. Alors il faut bien compter le nombre de tours. Hein. Si vous faites ça sans chanteur, il faut le faire 10 fois de suite. Donc je me suis arrangé pour compter les tours de façon à ne pas me louper avec l'accompagnement. Lorsque ça démarre, vous voyez que on va attaquer donc les trois cordes à vide, La, Ré, Sol. Et on va faire ensuite un hammer avec l'index à la case 2 pour faire le La. Un petit peu à la façon de It's a long way to the top. Je refais ça. Là, je prends la vide, le hammer. Ensuite, sur le contretemps, là, vous pouvez jouer vers le haut, les cordes. Donc, sur les cordes sol, sol et ré, vous remontez au niveau du médiator, vous remontez le médiator. Ensuite, deux coups sur la corde la que vous mutez. À nouveau le La. Voilà, et en fait le riff il va tourner de cette façon là. À nouveau deux coups bloqués, on reprend vers le haut. Donc
là vous voyez que le riff il s'allège un petit peu par rapport à ça, puisque on va jouer uniquement sur l'accord de là, donc avec, alors soit vous pouvez faire ça avec des allers-retours, soit avec des couverts le bas, entre les deux monteurs balance, je sais pas trop. J'aurais tendance plutôt à le faire avec des allers-retours par habitude. Mais c'est vrai qu'avec des coups uniquement bas, ça fonctionne aussi. Donc choisissez, faites les deux, puis vous voyez ce qui vous paraît le plus naturel pour vous. Donc ça, c'est tout le riff du couplet. Je vous le ferai un petit peu plus doucement. Ensuite, alors, avant d'attaquer avec le refrain, on arrive sur un Fa 5, donc le même genre de position qu'on a vu ici en Do, mais décalé, donc la même sur la, à partir de la corde Mi grave, donc sur trois cordes, et cette fois pris à la casune pour faire un Fa, donc Fa 5, pour avoir une corde de Fa. Ensuite, on arrive sur le Ré. Le refrain, là. À chaque fois, on peut passer par les cordes à vide. 3, 4, et donc premier temps sur le premier temps d'amusement sur le La, 1, 2, 3, 4, on est sur les cordes à vide, 1, 2, 3, 4, et sur les 4 et vous allez prendre le Sol 5. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite la fin. Sur la fin, en fait, vous voyez que on revient sur la position du sol et on va passer donc de la case 3 à la case 2 avec l'index, à la case 3 du rythme majeur. Vous pouvez laisser continuer de sonner le sol. Case 2, case 3, case 4, et ça repart. Là, on a plus de ça pour commencer. Voilà, donc c'était pour la partie notre riff de Wallata Raise. Donc, je ne vais pas vous faire les parties d'Ogus, que vous, comme de toute façon c'est très très proche, je vous laisse voir éventuellement les différences sur la tablature, mais c'est pratiquement les mêmes enchaînements qu'ils font. Voilà, donc encore à nouveau, il me reste à vous souhaiter bonne guitare, et à nouveau à une prochaine. Bye bye, bah, c'est bien.